Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous, Sid Trading. Donc là, je vais revenir sur l'ADA. Donc j'avais tweeté le graphe de ADA, proche des 1$. Donc on est passé sous la barre des 1$, donc un chiffre institutionnel. Mon analyse pour l'instant se confirme comme prévu. D'accord? On a eu ici donc un début de distribution ici. Donc. Un BCARST et on est sur le saut. Là, donc la BCARST, on est sur une réaccumulation, excusez-moi, donc une réaccumulation en time frame weekly daily. Et là, sur la partie finale ici, nous avons ici une distribution BCARST saut. Sur le saut, nous avons ici une accumulation, une grosse accumulation ici qui se met en place depuis le mois de décembre. Donc depuis le mois de décembre, on a eu ce SC, ce plus bas, prise de liquidité, réaction haussière, prise de liquidité en bas et en haut, ce qui nous a donné une continuité de baisse, d'accord, avec ici une redistribution en time frame plus petit bien sûr, avec un beau golden setup qui nous a donné ici cette chute ici et la continuité de tendance vers la zone d'achat où j'attends le ADA entre la zone d'achat, c'est 0,69, 0,81. Donc ma zone acheteuse au niveau du ADA. Donc la poche de liquidité où je l'attends, elle est ici. D'accord? Donc personnellement, je vais attendre qu'il arrive là, qu'il me casse ce petit endroit ici. D'accord? Où il y a pratiquement presque un équalo qui est décelable, donc deux points au presque au même niveau, ils sont pas vraiment au même niveau mais presque. Donc si on regarde bien à quelques pips près, si on regarde bien la mèche ici à quelques pips près, nous avons ici un equal low. D'accord? Donc ce niveau n'a pas été start. Donc vu que ce niveau n'a pas été start, donc c'est la liquidité pour moi qui est en attente avec une belle direction baissière ici avec des bougies daily, donc 1, 2, 3, 4, 5 bougies daily baissière. Donc ça, c'est uniquement un retracement. D'accord? Ce retracement, on peut constater ici, si on utilise le Fibonacci de retracement, ce retracement s'est effectué pratiquement, on va dire, dans les 50% presque. D'accord? Donc voilà pour votre information. En ce qui concerne ce retracement, donc là pour l'instant, j'attendrai qu'il vienne hop chercher ici l'argent. Donc je pense que cette descente s'effectuera grâce à la petite correction du BTC qui va provoquer cette correction sur ADA également. D'accord? Donc on attend un petit peu, il faut juste être patient. Donc je vais être patient, tranquillou milou, je vais l'attendre pour le choper sur un bon price. On est en zone discount, donc on est venu ici premium. Discount, premium, discount, incursion 50, légère premium, prise de liquidité, continuité de baisse. Voilà pour votre information, personnellement, ce que moi je vois. D'accord? Donc j'attendrai bien sur cette poche ici, acheteuse, zone d'achat. En ce qui concerne, donc, si trading, petit rappel, petit disclaimer. Donc, je me fais copier, je vous l'ai annoncé sur Twitter, je vous ai montré également sur mon Telegram perso qui s'appelle Seed Trading Crypto Action, d'accord, où il y a 1000 quelques personnes. Je ne fais pas donc de trading robot, je n'ai pas de fonds d'investissement pour votre information et je ne vends pas de formation. Ok, je partage juste mes analyses perso, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, je ne partage que mes analyses et mes points de vue marché. Et là, je vous partage le ADA, donc ADA Cardano. Voilà, sur ce, j'étais un peu en réflexion. Est-ce que je continue à vous partager ou pas? J'étais en pure réflexion. D'accord? Je vais me donner une petite semaine pour réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partager ou pas? Parce qu'il n'y a que des copieurs. La plupart du temps, des copieurs, c'est qui? C'est des Français. Donc, ça, je le vois pas trop aux States, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est l'être humain. Il n'aime pas travailler, il aime du tout cuit, aller pomper du tout cuit ailleurs.
au lieu de bosser. Mais bon, c'est comme ça, c'est la life. Voilà, juste faites attention à. Je vous ai mis sur Twitter le Telegram qui a copié carrément mon nom carrément et poste également mes vidéos sur Telegram, donc sur mon nom, d'accord? Et qui a utilisé carrément mon nom site trading. Donc faites attention, ce n'est pas moi. D'accord? Mon canal Telegram, ne me demandez pas, il est fermé. Donc il n'y a personne qui peut rentrer. Et mon canal Telegram s'appelle site trading crypto et actions. Et j'en ai un autre qui s'appelle site trading group où je trade matières premières, indices avec ma team et les potos. Ok, voilà. Force à la famille, force à tous. Voilà pour le ADA. J'attends bien sûr une bonne prise ici vers le bas de liquidité pour pouvoir ensuite me prononcer et prendre position sur ADA. Donc là, je suis en daily. On peut regarder ici en H4 ou en H1 sur la partie ici finale. Donc sur cette partie finale ici. Donc ça, moi, je sais le lire. Donc je ne vais pas vous le lire. D'accord? Comme ça, je ne vais pas aider ceux qui copient. Donc ça, je sais ce qui s'est passé au niveau de ce mouvement-là. Donc moi, je sais le lire carrément et je sais que le prix va descendre. Voilà. Bisous à tous, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.